Le 19 septembre 2022, la famille royale britannique avait assisté aux funérailles d'Elisabeth II à l'abbaye de Westminster. Selon le Mirror, la reine Camilla avait réagi après un écart de la princesse Charlotte. La mort de la reine Elisabeth II le 8 septembre 2022 a plongé le Royaume-Uni dans une profonde tristesse. Quelques jours plus tard, la famille royale s'est réunie à l'abbaye de Westminster pour les funérailles de la reine. Lors de cet événement, le prince George et la princesse Charlotte ont provoqué la surprise en accompagnant leurs parents. De son côté, le prince Louis a été considéré trop jeune pour assister à un moment aussi solennel. Alors que les funérailles d'Elisabeth II ont été retransmises à la télévision, la princesse Charlotte a attiré tous les regards. En effet, la fillette alors âgée de 7 ans n'a pas hésité à rappeler le protocole à son grand frère. Tu dois t'incliner, lui a-t-elle lancé lors du passage du cercueil de leur arrière-grand-mère. Les deux enfants ont ensuite effectué une révérence parfaite. La reine Camilla recadre Kate Middleton après un écart de la princesse Charlotte. Si l'attitude impeccable de la princesse Charlotte a été soulignée tout au long de la cérémonie, un événement a cependant provoqué la colère de la reine Camilla. En effet, alors que la famille royale entrait dans l'abbaye de Westminster, au niveau de l'arche de Welling, le prince George a tenté de pincer sa sœur. Face à son geste, la princesse Charlotte aurait réagi en laissant échapper un aïe de douleur. Après ce mauvais comportement, Meghan Markle est apparue attendrie et n'a pas pu s'empêcher de sourire. De son côté, la reine Camilla a montré son mécontentement en fronçant les sourcils. Selon le Mirror, la femme de Charles III a ensuite recadré Kate Middleton. Emmenée là aurait-elle discrètement indiqué à la princesse de Galles au sujet de sa fille. De quoi faire part de son agacement alors que toute la famille royale devait adopter une attitude irréprochable lors des funérailles d'Elisabeth II. Un léger recadrage qui a ensuite permis aux deux enfants de se tenir correctement pendant toute la durée de la cérémonie.